Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes mots me manquent, les mots me manquent. L'émotion l'emporte sur moi. Juste pour exprimer toute ma gratitude à l'équipe dirigeante du monument de la Renaissance de l'Afrique pour l'accueil et la disponibilité avec laquelle elle nous a reçus ici aujourd'hui pour nous exprimer leur disponibilité parce que le 5 juillet 2024 à 20h, le monument pour la Renaissance de l'Afrique portera les couleurs de l'Union des Comores. C'est un honneur pour les Comores, c'est un honneur pour l'Afrique. Je tiens tout simplement à leur exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. Ce sera le 49e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores. Et le Sénégal va célébrer l'indépendance des Comores. C'est l'honneur qui est fait à notre pays, mais aussi à l'Afrique, puisque une nouvelle fois, ce grand pays, le Sénégal, fait preuve d'ouverture et de disponibilité en faveur de tous les peuples d'Afrique. Et là, ça sera le tour des Comores, et la prochaine fois, ça sera sans doute le tour d'autres pays d'Afrique également. Merci. Merci.